Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz Fandragon. Bon alors, on doit suivre le plan de la demoiselle qu'on a rencontrée à la fin du dernier épisode pour essayer d'atteindre l'éthérite cachée de cœur de glace en utilisant une technique extrêmement dangereuse qui pourrait causer notre mort, ce dont j'ai des forts doutes quand même. Je viens d'informer Alfino que notre plan visant à réactiver la balise à distance. Il a admis que la méthode préconisée par Mwen Brida était la meilleure, et en ce, en dépit des risques qu'elle présente. Je ne sais pas où il était quand je lui ai parlé, mais il m'a dit qu'il voulait que tu le retrouves à Montenège. Sans doute a-t-il quelque chose d'important à te communiquer. Mwen Brida et les autres se sont déjà mis en route. J'espère que tout se passera bien et que vous arriverez à trouver cœur de glace avant qu'elle n'invoque Shiva. Mes pensées et mes prières vous accompagneront. Ok, alors Montenège, du coup, hein. Ça, Montenège, c'est... Ouais, c'est tout au loin, là-bas. C'est nouveau, ça. Bon, c'est quoi ? On va prendre Xanthos. Putain, mais y avait encore un lapin rose, c'est pas possible, quoi. C'est pas moi, j'ai vu que c'était pas toi. Je n'ai pas engagé des lapins roses pour te suivre partout, je te jure. Ça va, tu me rassures. J'ai eu peur. Nous étions au cinéma. Il a un alibi. Content de vous voir, Nimitz. Je commençais à me demander si le blizzard ne vous avait pas dissuadé de revenir à Montenège. Je plaisante, bien sûr. Je sais bien que le froid ne vous embête pas. Je vous envie beaucoup, d'ailleurs. Mais je sais pas. T'as qu'à enfiler une doudoune depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Alfino, quoi. En passant, le capitaine Hilbert vous envoie ses salutations. Eline Roy a été transférée à Ulda et il assiste à son interrogatoire en ce moment même. Enfin, nous aurons tout le loisir de reparler de cette affaire quand nous en aurons terminé avec Cœur de Glace. Les autres nous attendent à l'éthérite. Rejoignons-les. Allons-y. Et moi et Alfino, on participe pas. Le moment de vérité est arrivé. Ça a marché, enfin, je crois. Vite, harmonise-toi avec l'éthérite, concentre-toi sur le courant et essaye de localiser la balise. Voilà une bonne chose de faite. Replions-nous pour l'instant. Vous voulez pas que j'aille voir maintenant? J'espère que vous êtes prêts, car l'étape suivante repose entièrement sur vos épaules. Du coup, j'imagine qu'on va avoir un donjon Montenège niveau 2. Salut, côte à l'autre. C'est pas si grave, non. Effectivement. Coucou, Yaya.
C'est pas le nouveau truc qu'ils ont ajouté aujourd'hui, ça ? Nous devons envisager la possibilité que nos actions aient alerté cœur de glace de nos plans. Si c'est le cas, on peut tenter d'accélérer le processus d'invocation. Mais vous nous préparez au pire. Je sais que vous êtes extrêmement fort, mais je préfère que vous y alliez accompagné de plusieurs de vos camarades. Sous-entendu, c'est un donjon. Si possible, essayez de réunir des personnes douées de l'écho. En effet, si Shiva possède les mêmes pouvoirs que les autres primordiaux, elle pourrait corrompre l'âme des plus faibles et en faire des subjugués. Ah, une dernière chose. Le temple d'Ishgard a un message pour vous de la part de Sir Emmerich. Il aimerait aller lui parler avant d'assembler votre équipe. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et que les 12 vous gardent. Bon, je dois aller parler au chevalier vaillant déjà. Mais Sir Fandragon. Sir Emmerich regrette de ne pas pouvoir être présent en personne. Il m'a demandé de vous lire cette lettre en son nom. Ishgard est confronté à une menace sans précédent et ses proches chevaliers sont incapables de la protéger. Nimitz Fandragon, guerrier de la lumière, protecteur des Orzea, vos actions en ce jour resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Là où les autres fuiraient, vous avez choisi de rester. Là où les autres tomberaient à genoux, vous vous dressez dignement. Là où les autres utilisaient leur pouvoir extraordinaire à des fins égoïstes, vous mettez les vôtres au service d'une plus grande cause. Que Alon vous accorde sa grâce et vous accompagne dans votre mission. Et ben c'était sympa. Amphithéâtre d'Ak'Afa, brutal. Ok. Bon, du coup, j'imagine que ça veut dire qu'il faut qu'on groupe pour aller faire le truc, c'est ça? Attends, je vais inviter les autres aussi. Voilà. Ok, bah du coup... Attends, je vais mettre... On va passer en audio, ce sera plus simple. La question avant quand même. Tu es faible, mais non, tu n'es pas faible, Yaya. Tu es fort. Tu es fort, Yaya. Tu es fort, tu n'es pas faible. Bonsoir. Attends. Putain, pourquoi j'arrive pas à ajouter Pluton? Il est pas dans ma liste d'amis? C'est quoi ce délire? Ah, tu avais pas Pluton. Dit que justement que tu l'avais pas invité en ami ou... C'est ça. Attends, monsieur Pluton. Vous avez demandé d'urgence dans le... Envoyez une demande d'amis, j'hallucine. On n'est même pas en ami sur Discord, quoi. Depuis le temps. Cette trahison. Mais grave. Et si je suis faible? Le problème, bon, c'est qu'il faut qu'il accepte. Pluton accepte la demande. Voilà, ça y est, il a accepté. Putain, il est rapide, il est fort. C'est ça, il est fort. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Voilà. Voilà. Enchanté. Enchanté, je m'appelle Teuse. Pardon. Ça, c'était nul. Bon, bonjour Guilo aussi, Génour, que du coup tu parles dans le chat. Bon, ça, on lance du coup, comment ça s'appelle? L'amphithéâtre d'Afk machin truc. Ça vous va? Oui. Ouais, oui. Attendez, je vais faire du bruit parce que je vais changer le son. Juste sur... vous êtes en quoi? Parce que Yaya, t'es en barde, c'est ça? Oui. Moi, j'ai mon truc. Guilo, t'es en... Je sais pas si t'es en sas. T'es en healer? Oui. Et Pluton, du coup, t'es en tank? Moi, je suis en... bah, ouais, je peux... Bon, attendez, je vais changer. Je vais mettre un pistolet sabreur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et si, du coup, ici, je suis fait parce que ça fait 2-3 jours que le Mega Shiva est sorti, là, juste avant la 6.18. Et il y en a un sur la selle ce matin qui a balancé une image d'un Mega Shiba mais avec un Lalafell et du coup bah, j'ai craqué. Et... Oui, c'est ce que t'as partagé dans le canal Final Fantasy ça, cet après-midi là, ouais. C'est ça, bah, du coup j'ai pris une aventure et un filtre d'illusion et puis obligé, bah... obligé de repasser Lala à cause de ça quoi. Ah ben oui, désolé mais... c'est 1 à 8. Ah oui, mais c'est 8, allez, ah, c'est 8. C'est 8, c'est pas... Bon, on est 4 déjà, mais... Oui. Moi qui est... D'autres qui... Bon, on va essayer déjà avec ça. Ouais, moins de 5 minutes d'attente. Est-ce que j'y vais avec... Ah bah ça y est. Belle tenue. J'ai pas le temps.
C'était ah non, rapide. t'as pas le temps. Non, t'y vas pas avec ta belle tenue rose fluo. Oh non. Pourtant, chevalier noir, en plus j'ai la batte rose qui va avec. Ouais, mais encore bon. À ce moment-là, c'est du cuir noir qu'il faut utiliser, quoi. Bon, la chaîne, oui, oui. La chaîne YouTube va sauter. Hein. La chaîne YouTube va sauter. Hein. Au revoir tout le monde, c'était un honneur. Tu n'aurais jamais dû venir ici, guerrier de la lumière. Ça va, non, ça va. Il a je mis sa belle tenue. Pour la paix, je te l'ai déjà dit. Attends, j'ai la cinématique. Je voulais y aller un piste au savoir, mais j'ai pas de tenue, donc en fait, elle est n'importe, elle ressemble à rien. Puisque le destin en a voulu ainsi, alors je ne l'opposerai pas. Prépare-toi à mourir. Bon, je vais dire, tiens, il y a quelqu'un qui l'a pas fait. Ils ont été abandonnés par les dieux, et trahis par les hommes, seront les acteurs de notre propre délivrance. Prenez ce corps. En fait, Shiva va prendre le contrôle de elle, quoi. Cœur de glace. Tu parles logique. Oui. Ah, c'est que tu connais de ce mode Delta, oui. Elle peut encore parler alors qu'elle est dans un glaçon. C'est ce qui s'appelle rester de glace face à l'adversité. Oh, elle est énorme! Pas bien de parler de ça à des gens comme ça, donc. Non, mais elle est pas énorme, elle est magnifique. C'est un défi, du coup, c'est pas un donjon en fait. C'est non, un peu comme pour défi, Garuda non, et les autres, quoi. Oui, ouais, voilà. C'est, on va dire, si je veux. Non, il en reste encore, mais c'est vraiment le dernier. C'est le dernier gros défi, quoi, de. Il reste encore deux défis, ouais. Mais celui-là, oui. C'est. Le dernier, on va dire, primordial de Will Reborn. D'accord. Et le dernier auquel tu peux avoir une monture en faisant en extrême. Ah, ok. Bon, c'est quoi la strat? C'est ne pas mourir et tuer les ennemis, c'est ça? Tu évites les AOE. Et taper pas mon bébé. Ah putain, j'ai fait une erreur, je me suis rendu compte d'une erreur. Putain. Erreur de quoi? Tout à l'heure j'ai tout enlevé quand pour passer en j'étais obligé d'enlever tous mes équipements. Ah. J'ai oublié de remettre mon cristal de job. Ah mais donc du coup t'es en archer, t'es pas en barde, c'est ça? Oui, merde. Ah putain. Bravo. Oui, j'ai fait une connerie, ça arrive. Faut tuer les ZAD. Oui, faut tuer ça. Merde, putain, je ouais, pensais à non, je crois qu'elle est... D'accord, y'a pas que te prendre l'agro plus, c'est horrible, j'ai horreur de prendre l'agro avec la PS4 parce que... J'y arrive pas. Je crois pas qu'on peut enlever la tête, Ah bordel, je sens qu'on va m'engueuler parce que il a pas fait ses quêtes de classe, tout ça. Qui ça qui a pas fait ses quêtes de classe? Non mais on va dire ça. Hein. Ah c'est ton perso. T'es bien la fête. Du coup t'as que les attaques de barde du début quoi, enfin de d'archer du début tenir, quoi. C'est pas grave, je peux tenir. Et Orion, je te vois, hein, je te lis. Je m'en veux. Oula, elle nous a glacé. Oui. Que la poussière de diamant vous réduise en éclats. Putain, j'ai l'impression de me battre contre comment il s'appelle? Le chevalier du zodiaque du glaçon là. Oui. T'as jamais vu le chevalier du zodiaque? Ah. Oh, faut pas se mettre pile au milieu là? Non, justement, c'est une zone. Regarde, il y avait plusieurs attaques. En fait, ça faisait autour, ensuite au centre, du coup, fallait. Enfin, en fait, d'accord. Ça arrive par le genre. Ah, il faut qu'on s'éloigne les uns des autres? Ouais. Ouais. En fait, genre là, il y a plusieurs personnes qui reçoivent une attaque de zone et en gros, faut s'éloigner d'elle. Ouais, il faut pas que ça se cumule en restant proche, quoi. Et si toi t'as la zone, ah, c'est yoga, c'est ça.
Yuga, c'est ça. D'où monsieur Lanafel, la personne est une fille. Merci Orion. Tu vois, enfin quelqu'un, un homme de culture Orion. Tu vois, dans le chat. C'est de qui je parle. Le chevalier du cygne, Yoga. Ah oui. C'est celui qui balance la poussière de diamant. Ça, elle disait la poussière de diamant, ça me fait penser à ça. Voilà, bon, excusez, moi j'en mets mon truc en urgence. Ah, vous n'avez rien vu. Voilà, c'est bon. Il ne s'est rien passé. Bon, bah, GG. Ah, ouais. Putain, j'aurais pu honorer un équipier, mais au final, je peux pas. En fait, du coup, avant que tu aies. Rapidos, en fait, j'ai regardé du coup Starship Trooper tout à l'heure. Ah oui. Et alors, tu as fait ta part, c'est bon? Tu oui. voulais en savoir plus? Je veux en savoir sur la vidéo. Plus. Poussière de diamant, cercueil de glace et exécution de l'aurore, c'est ça. Enfin, la poussière de diamant, c'est l'attaque de base qui balance en début de l'aventure, quoi, on va dire. Ah oui. Et après, c'est les autres. Attends, est-ce qu'elle va être doublée encore ou pas? Je crois pas, oui, à ce moment-là. Imbécile. Ouais. C'est encore doublé. Comment peux-tu être aussi lucide et aveugle à la fois? C'est là qu'elle va nous apprendre qu'Ishgard est infiltré par les Asiens. Toi, plus que tous les autres, devrais comprendre. Ça, c'est important en plus ce qu'elle dit, donc. Qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour maintenir la paix. La cause que je défends est juste. T'as dit qui? Oula! Pluton. Pluton, t'as un problème avec ton micro, on dirait. Non, non, oui, ce qu'il disait. Ah bon? Bah attendez, bah je me mets en muet. Désolé. Ok. Pas grave. Tu livres une guerre que tu ne comprends pas. Ah, c'est tu bon. N'es qu'un pantin manipulé par des menteurs et des conspirateurs. Et tu n'es qu'un mouton. Aussi stupide que toi. Du coup, moi, je me mets en mute également. Mais si vous voulez, c'est moi qui me mets en mute, en fait. Hein. Ce serait plus simple. Si hein. tu veux. Si tu veux. Pluton, c'est juste ton micro, ça faisait pshhh, comme ça un peu. Attends, je vais me mettre en sourdine le temps qu'il y ait le truc, je reviens tout de suite. Comme ça, ils peuvent se parler ils entre eux. Ils sont prisonniers d'une illusion de leur propre création qui les rend incapables de voir la vérité. Il n'est pas trop tard pour obtenir une rémission. Toi et moi pouvons guider les autres vers le salut. Va voir le gardien du lac et écoute son histoire. Mère t'a donné un cadeau magnifique. Ne le gâche pas. Mère, elle parle de... du grand cristal, là. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié le nom de la déesse. Aydeline. C'est ça, Aydeline? Ouais. Ça, c'est ce que nous dit Aydeline. Mère et Shiva? T'es sûr qu'elle fait pas plutôt référence à Aydeline, là? Parce que Shiva, c'est pas une mère, c'est plus une héroïne à leurs yeux, il me semble. Les humains doués de l'écho peuvent donc servir de vaisseau pour l'influx divin. Je m'en réjouir ou m'en affliger. La Abrea risque de remporter les faveurs du maître. Moi, je n'aime pas ça. D'accord, ok. Bah, pourtant, le fait qu'ils disent, elles disent juste après ressent, pense, machin truc, là, ça faisait beaucoup plus penser à Aydeline qu'à Shiva, quoi. Parler de 12, ça a marché? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je savais pertinemment que ça allait marcher, mais je suis de nature anxieuse. Cœur de glace, ça fait quoi? Tu es sûr de ce que tu racontes? Les Dravaniens et leurs alliés sont doués pour manipuler les esprits, après tout. Bon, si c'est vraiment ce que tu as vu, alors je te crois. C'est juste que je n'ai jamais entendu parler d'une telle méthode d'invocation. T'es sûr que t'es pas tombé sur la tête? Les traumatismes crâniens peuvent provoquer des hallucinations parfois. Bon. Là, c'était le son de la console. Je peux pas le changer, donc je me mets. Non, mais pas de problème, Pluton, t'inquiète. Bah, attends, j'en profite du coup que je vais laisser en sourdine le temps de faire les dialogues et tout, quoi. Quitte à discuter de cette invocation mystérieuse, autant le faire à chaud. Je vais contacter les autres et leur demander de nous retrouver au refuge des roches.
Ah, mais avant de retourner au Mordona, tu ferais mieux de refaire un crochet par le poste de l'arête blanche. Alfino y est allé pour s'entretenir avec les Ishgardais. Je suis sûr qu'il sera content de te revoir en bonne santé et en possession de tous tes membres. Et puis peut-être que ton témoignage sur ton combat contre Shiva pourra l'aider à convaincre ses interlocuteurs. D'après ce que j'ai compris, ces gens-là sont des cabochards. C'est quoi un cabochard ? Frissonne. Oui. Brrr, il est temps pour moi d'y aller. Bon voyage et à bientôt. Mais bon, en même temps, ces gens qui vont à Mantenège sans être habillés, pourquoi, tu vois ? Quand même. Mais où est-ce qu'il est ? Pourquoi je le vois pas avec ma caméra ? Et il est là-haut ? Ah bah oui. Je te voyais plus. Attends. C'est où ça, le poste de l'arête blanche ? Ah mais oui, ok. Je vais aller parler... Cabochard, c'est un casse-pied. D'accord. Tu comprendras par la suite le lien entre les primordiaux et Edeline. Donc il y a un lien. C'est bon, Ayame, t'es en barde. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai vu, t'avais le signe de l'archer, en fait, je me disais, tiens, elle est en archer, donc barde, mais en fait, c'est vrai que j'avais pas tout à fait percuté qu'il y avait un problème, en fait. Ça alors, je ne m'attendais pas à vous voir revenir aussi vite. Sir Emeric vient juste d'arriver, nous nous apprêtions à reprendre nos pourparlers. Puisque vous êtes là, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui s'est passé après que nous sommes séparés. Mais j'ai pas percuté en fait sur le coup, Caralon, c'est juste que j'ai fait archer donc barde, parce que je savais que t'avais barde. Mais j'ai pas percuté que ça voulait dire que t'avais pas ton cristal en fait. Là, ça m'a pas... C'est pas ce qui m'a sauté aux yeux en fait, je me suis pas dit « Ah oui, c'est à cause du cristal que ça met le signe de l'archer en fait. » Si j'avais fait le lien, je te l'aurais dit, tu vois. Mais j'ai pas fait le lien sur le coup, en fait. Ah, si seulement nous avions été plus rapides, nous aurions pu l'empêcher d'invoquer Shiva. Allons, commandant, pourquoi vous morfondez-vous ainsi ? Vous êtes arrivé suffisamment tôt pour l'empêcher de faire des victimes, que je sache. C'est un exploit qui mérite d'être salué. Nimitz, au nom du Saint-Siège, je vous remercie pour toute l'aide que vous et vos compagnons d'armes nous avez apportée. Vous avez raison, nous aurions pu être plus efficaces, mais le résultat est là, et c'est effectivement la seule chose qui compte. Nimitz, bébé. Mais quoi, t'es coincé dans le placard ? Je reviens. Mais non, t'es pas coincé dans le placard. Qui est polisson ? Il faisait semblant d'être coincé. Personnellement, je suis un peu plus satisfait de l'issue de cette affaire. Shiva n'est plus une menace et les hérétiques ont été mis en déroute. Certes, la fuite de cœur de glace entache cette belle victoire, mais je suis convaincu que mes chevaliers finiront par la retrouver. Ce qui me fait penser, Sir Drimon, le convoit-il prêt ? Affirmatif, capitaine général. Les marchandises qui ont été récupérées dans le tunnel ont été inspectées et reconditionnées. Toutes les caisses ont été chargées sur les chariots. Les chevaliers de la maison Durander se chargeront d'escorter la caravane jusqu'au glas des revenants, au péril de leur vie s'il le faut. Je n'en doute pas une seconde. Vous parlez des marchandises que les hérétiques ont volées au coteau rocheux ? En effet, tout est là, à l'exception des cristaux qui composaient la majeure partie du convoi, bien sûr. Je conçois que c'est moins que ce qui était prévu à l'origine, mais cela reste tout de même une contribution conséquente pour la colonie. Pour changer de sujet, Nimitz, auriez-vous l'amabilité de m'accompagner au camp de la Tête du Dragon, s'il vous plaît ? Un certain seigneur s'est mis dans tous ses états quand il a su que... Vous vous apprêtiez à risquer votre vie pour arrêter Cœur de Glace. J'ai entendu dire qu'une demi-douzaine de chevaliers auraient dû le retenir pour l'empêcher de voler à votre secours. Je vois pas de qui il parle. Tous les hommes ne réagissent pas au stress de la même manière. Il y en a certains qui extériorisent plus leurs émotions que d'autres. Ne le jugez pas trop sévèrement. Et s'il y a... Il y a un bébé. Non, mais je veux grimper sur le meuble, mais il est trop haut, j'y arrive pas. Ben oui, ben j'en sais rien, saute. Fais une grande extension de tes patounes arrière. Il est pas d'accord. Mon...
Viens là, Tito. Voilà. Allez. Bon, oui. Tu es un coquin, toi. Hein. J'ai besoin de mes deux mains, s'il te plaît. Oui, bah merci. J'aurais pu le faire tout seul, en fait. Merci, Yaya. Ah, mais c'est vrai que tu joues sur PlayStation, du coup, Pluton. Mais qu'avais-tu en tête, Nimitz? Se téléporter en utilisant une unité défectueuse pour espérer d'arrêter Cœur de Glace avant qu'elle invoque Shiva. C'est de la folie pure et simple. Et puis, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je serais allé combattre à tes côtés sans hésiter. La chaleur de nos deux corps luttant côte à côte aurait fait fondre la glace de Monteneige. Au lieu de ça, je me suis retrouvé coincé ici, obligé d'attendre qu'on daigne me donner des nouvelles de mon plus cher ami. Chaque minute m'a paru une éternité. Enfin, c'est tout ce qui compte, c'est que tu sois vivant. Tournons la page et remettons-nous au travail. Sir Emeric aimerait s'entretenir en privé avec toi et Messire Alfino. Il vous attend dans la salle de réception. Tu te souviens du chemin, je suppose? Oui. Je sais que c'est derrière. Il est un peu chelou, ce type, oui. Légèrement. Nos deux corps chauds, se frottant l'un contre l'autre, auraient fait fondre Monteneige. Ouais, quand même, quoi. Je vous attendais, Messire Fandragon, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Il m'a l'air sympathique. Écoute, il est très chaleureux. On peut pas lui en vouloir d'être chaleureux. Au nom d'Isgard et de tous ses habitants, permettez-moi de vous exprimer notre plus grande reconnaissance pour le service que vous nous avez rendu. C'est la première fois que notre nation est confrontée à la menace d'un primordial. De ce que nous avons appris sur ces êtres, je peux dire avec certitude qu'il y aurait eu beaucoup de morts si les héritiers n'étaient pas intervenus. Et comme quoi, tu vois, on leur a rendu service. Il est temps de nous renvoyer la balle. Vous êtes donc d'accord pour dire qu'il est plus sage de prévenir ces menaces, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous voudrez peut-être reconsidérer ma proposition de frappe préventive sur Natalan? Peu après notre première rencontre, un groupe de chevaliers a présenté une proposition similaire devant l'Assemblée. Toutefois, le Saint-Siège a décrété que nous devions rester des observateurs et ne recourir à la force armée qu'en cas de légitime défense. De mon point de vue, ce n'était pas une décision déraisonnable. Depuis le fléau, deux de nos forteresses sont tombées entre les griffes des Dravaniens, tandis que Garuda ne s'est encore jamais approché des portes du jugement. La menace que font planer les dragons sur notre cité est plus imminente que celle des Ixali. Toutefois, cette crise sans précédent et sa résolution peuvent conduire à un changement durable. En effet, contrairement à vous, les pontifes d'Ishgard ignoraient le danger que les primordiaux représentent. Maintenant qu'ils en ont conscience, ils vont certainement prendre les décisions qui s'imposent. Voilà qui devrait faire réfléchir les opposants à l'aide au développement hors de nos frontières. Alors par contre, j'ai horreur de sa voix, lui, hein. Je suis désolé, mais... Peut-être même que le Saint-Siège encouragera cette démarche à l'avenir, allez savoir. Il va sans dire que les héritiers seront indemnisés pour leur service. Nous n'avons pas beaucoup de matériel à notre disposition, mais nous en enverrons autant que possible au glas des revenants. Toute aide sera la bienvenue. En signe de bonne foi, je vais retirer ma demande précédente. Vos hommes seront certainement plus utiles ailleurs. Ce ne sera pas nécessaire. Nous nous intéressons aussi au mouvement des Dravaniens. Je vois. Merci encore, commandant. Vous m'enlevez une épine du pied. Sauf votre respect, Sir Emeric, pensez-vous vraiment que Midgar Zorm pourrait revenir? Les cieux détiennent toutes les réponses à nos questions. Mais ceux qui interprètent leurs mouvements ne sont pas infaillibles. J'ai demandé votre implication par mesure de précaution. Vous aviez décidé d'envoyer des matériaux au glas des revenants avant même que Shiva ne se manifeste, n'est-ce pas?
Il en est ainsi depuis que vous avez réalisé ce qui arriverait si la colonie tombait entre les mains de vos ennemis. Ishgard n'a pas pour coutume d'aider les autres nations. Mais ça ne l'empêche pas de manipuler les autres pour servir ses propres intérêts. Ce qu'on appelle des intérêts mutuellement... C'est mutuellement bénéficiaires, quoi. Savez-vous quel est l'élément le plus important pour devenir capitaine général des Templiers d'Ishgard? Appartenir à l'aristocratie. Ce n'est pas mon cas et pourtant j'ai réussi à obtenir ce titre. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis un gros badass. Parce que j'ai appris à faire la différence entre les mots, les actes et les croyances. Écoutez bien, Alfino. Les dirigeants d'Ishgard veulent voir le glas des revenants s'agrandir, car ils estiment qu'il fera un excellent bouclier contre nos ennemis du sud. C'est bien ce que je pensais. Ouais, peu importe et alors ? La raison, c'est le résultat qui compte ici. La colonie a besoin de ressources pour se développer. Et les Ishgardais proposent de leur en fournir. De mon point de vue, tout le monde est gagnant. Les dragons s'agitent de plus en plus, et les hérétiques ne cessent de malmener nos chevaliers. Nous avons enduré cette situation pendant plus d'un millénaire, mais il y a une limite à tout. Les dirigeants d'Ishgard n'ont pas l'habitude d'accorder leur confiance aux étrangers. Mais si nous persévérons, nous pourrons peut-être leur faire entendre raison et les convaincre d'ouvrir leurs portes. Ça suffit, hein. Eh. Notre pays a une longue tradition. J'ai deux primordiaux à côté là qui foutent le bordel. Les jeunes générations souhaitent évoluer dans un contexte plus favorable. Sachez-le. Je suis rassuré d'entendre que vous et moi pensons pareil, Sir Emeric. Je vous prie de m'excuser pour ma réaction excessive à l'instant. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. Ne vous excusez pas. C'était des mots qui venaient du cœur. Compte tenu de la nature de mes fonctions, il peut arriver que je sois dans l'impossibilité de vous rencontrer de temps à autre. En de telles occasions, c'est avec elle que vous dialoguerez. Non, on sait toujours pas comment elle s'appelle, il me semble. C'est l'occasion du coup, non ? Ah ben voilà, Lucia. Je conçois que notre réserve vous agace, mais nous avons pris l'habitude de modérer nos propos. Nous devons nous en tenir aux positions agréées, sans quoi cela pourrait se retourner contre nous. Sachez toutefois que le capitaine général et moi partageons les mêmes idéaux. Je prie pour que nos peuples mettent leurs différences de côté, pour le bien de tous. Le bien de tous. Ceux qui restent dans le passé ne peuvent pas avancer vers l'avenir. Si quelque chose devait arriver à l'un de nos convois, informez-en Lucia immédiatement. Vous pouvez également lui transmettre tous les messages que vous désirez me faire passer. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas originaire d'Ishgard. Mais j'ai davantage confiance en elle qu'en n'importe lequel de mes compatriotes. Ah, j'ai failli oublier. Sir Orchefant, si vous voulez bien. Mais bien sûr. Il semblerait que la confiance soit un problème récurrent ces temps-ci. Peut-être que ceci vous aidera à traiter le problème. Ces documents contiennent les résultats de notre enquête sur les récentes attaques des hérétiques, ainsi que le contenu de l'interrogatoire du marchand que vous avez capturé. Ah. J'espère que ces informations vous seront utiles. Ok. Sir Emeric, c'est plus que je ne l'aurais espéré. Merci infiniment. Je vous en prie. Ishgard est beaucoup de choses, mais certainement pas l'ami de Garlemald. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il fallait avoir la foi. Bon bah ça progresse avec les Ishgardais, petit à petit. Lentement mais sûrement. Il semblerait que nous ayons beaucoup de choses à discuter avec nos camarades héritiers. Si ce que vous dites à propos de Cœur de Glace est vrai, la méthode qu'elle a utilisée pour invoquer Shiva est sans précédent et nous devrons certainement redéfinir notre stratégie de lutte contre les primordiaux. De plus, je crains qu'il y ait de graves conséquences politiques si les détails de cet incident parviennent aux oreilles des impériaux.
Garlemad pense que les primordiaux constituent une menace directe contre ses intérêts et que leur existence met en danger la planète tout entière. Par conséquent, les mesures prises à l'encontre des tribus barbares pour endiguer ce fléau peuvent facilement être justifiées. Maintenant, s'ils apprennent que les personnes ordinaires sont elles aussi capables d'invoquer des primordiaux, toutes les objections à l'invasion des Orzeas s'évanouiront du jour au lendemain. Là où autrefois nous n'avions affaire qu'à un Gaius Van Baelsar et sa 14e légion, nous devrions affronter un ennemi uni, un empire uni contre nous. Bref, inutile de s'étendre en long discours ici. Nous poursuivons cette conversation avec les autres lorsque nous serons au refuge des roches. Ok, bon, bah, on va aller au refuge des roches déjà. Et on va probablement couper là pour cet épisode. Vu qu'on a le temps qui dépasse. Je vais juste hop, revenir sur le... Ouais, genre, tout le monde a coupé son truc de toute façon. Juste un petit mot, on va couper l'épisode. Ah. Merci à vous trois pour le coup de main pour le donjon pendant cet épisode, du coup. De rien. Voilà. Et puis du coup, on va couper. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, bah, à plus tard pour la suite de l'aventure. Salut à tous.